Le monde évolue dans une dynamique des moyens de communication modernes qui sont entre autres la télévision et la radio. Les écoles se mettent à jour en enseignant aux élèves ces différents moyens de communication modernes. C'est dans ce cadre que les élèves de la 3e et 4e année primaire de l'école Arche de Noé ont visité ce mercredi 8 juin les installations de dynamique radio et télévision. Conduits par leur encadreur, ces jeunes apprenants ont été guidés de leur périple pédagogique par leur maman maison, Lila Mazoa. Cette visite a commencé par la salle de rédaction où ses élèves ont été éclairés sur le fonctionnement de cette pièce motrice de production des informations à la fréquence du moment. Cette randonnée pédagogique se poursuivra à la salle de montage, cuisine et préparation de tout ce qui doit être diffusé à la télé et à la radio. Les portes de dynamique vont s'ouvrir aussi pour ces jeunes écoliers curieux de comprendre son fonctionnement. Cet apprentissage se transforme en observation participante. Les élèves de Arche de Noé ont participé à la tranche matinale à la radio présentée par Teddy Nsenga. Voilà, je vais devoir recevoir mon ami le plus jeune que moi qui va aussi essayer de faire comme nous, journalistes. Bonjour mon ami. Bonjour. On vous appelle comment? Tu étudies à quelle école? La partie de la télévision de la fréquence du moment a constitué la dernière étape de cette visite. Les écoliers ont eu l'occasion de comprendre la technicité fonctionnelle d'une régie télé, soit les explications de Lila Mazoa aidée au tabou. Au plateau, là, c'est le grand. Les élèves de la 3e et 4e année primaire de Arche de Noé ont assisté à la présentation du journal de 11h présenté par Michael Mutombo. Tout le bonheur a été pour ces apprenants d'intervenir dans le journal qu'ils ont désannoncé avec le présentateur. C'est la fin de ce téléjournal. Mesdames et messieurs, ce fut un grand plaisir de vous avoir servi. Je vous l'avais dit qu'on avait la visite de tout petit de l'école primaire Arche de Noé. Mes amis, bonjour. Bonjour. Allez, ensemble, on va dire au revoir à ces téléspectateurs qui ont regardé les journaux de Dynamique Radio-Télévision. Au revoir. Au revoir. Ce journal est terminé. À la fin de cette visite, le directeur de l'école Arche de Noé a tenu à placer ces mots. Nous avons choisi votre chaîne parce que c'est la chaîne qui est la plus suivie et puis c'est une chaîne qui donne un peu les images nettes. Nous sommes en train d'étudier sur le moyen de communication. À l'époque, c'était moyen, par exemple, le sifflet et autres, avec la technologie qui évolue. En 1985, il y avait des téléphones fixes et aujourd'hui nous avons des portables. Mais nous devons quand même enseigner aux enfants comment est-ce que, à part ces instruments... Les réalités de moyens de communication modernes méritent d'être enseignées aux élèves. Et Dynamique Radio et Télévision a constitué le bonheur pour ces élèves car ils ont concilié la théorie et la pratique.